fourmi. Viens là, petite fourmi. Allons, Jicorne. Je viens de voir un longicorne. Il est parti par là. T'es sûr? C'est vrai? Allons-y donc, Zi. On va trouver leur nid. Non, il va arriver. Ça fait 3 jours qu'on est là à attendre. On n'a pas vu passer un seul oiseau. T'as dû rêver, c'est sûr. Non, je l'ai vu de mes propres yeux. Moi, je m'en vais. Et tous ceux qui restent là sont des idiots. Je parie qu'il a vu une grosse bestiole et rien d'autre. Attendez, vous verrez. L'oiseau de tonnerre va pas tarder. Allez, viens, on y va. Allez, on passe par là. Allez, à tout à l'heure. Ouais, nous, on va s'amuser. Hey, restez là, nous laissez pas. On avait dit qu'on se séparait pas. Yatsi, tu es mon meilleur ami. Tu es le seul à me faire confiance. Bien sûr que je te fais confiance, mais le gros scarabée que t'as attrapé hier, tu pourrais me le donner. Espèce de gros patapouf. Tu es intéressé, en fait. Le scarabée est mort. Oh, t'aurais pu le dire plus tôt. Je serais pas resté là à perdre mon temps. Regarde comme tu transpires, maman. Tu es gentil. Tu peux aller voir ton père avec le bœuf. Allez, avance, vieille carcasse. Oh, ça va, mon vieux? Oh, papa, le vieux bœuf a la diarrhée. Qu'est-ce que je fais? Ne t'en fais pas. Enveloppe de l'herbe fraîche dans une feuille de goyave et donne-lui ça. Ah. D'accord. Mon pauvre vieux, tu es épuisé. Pourquoi sommes-nous obligés de travailler si dur? Allez, on avance! On se dépêche! Cet imbécile de Johansson n'a même pas fait réparer le pont! Yatsi! Tu montes, on va s'amuser! J'arrive tout de suite! J'ai eu de la chance. Nous avons donné toute notre nourriture à cet affreux Johansson. Qu'allons-nous manger? Tu n'as pas encore payé l'impôt. Tu nous dois l'argent. Ouais, je le sais bien. La famine. On s'en sortira pas. C'est une catastrophe. Les héros ne me font pas peur. Je fais ce que l'envie me chante, moi, dans ce village. Asseyez-vous, maître. Il y a des problèmes avec l'impôt. Quoi? Je suis le maître ici, on va voir ça. Attention, écoutez-moi bien. Il n'y a pas eu de sécheresse ou d'inondation cette année. Et la moisson laisse à désirer. Je suis sûr que vous avez caché du riz et que vous croyez que vous allez m'avoir avec vos petits tours. Mes hommes vont tout fouiller. Une enquête est en cours. Dès que je saurai la vérité et que j'aurai les preuves, vous me le paierez. Je sais parfaitement que vous avez caché la récolte, avouez. C'est une injustice. Vous ne pouvez pas nous avoir. Taisez-vous. On n'a plus rien. Vous mentez. Taisez-vous tous. Cette femme est l'épouse de Chingipun. Arrêtez cette femme immédiatement. Pourquoi vous m'arrêtez? Quelle preuve avez-vous contre moi? Écoute attentivement. Je fais la loi ici. Quand je parle, on obéit. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vois plus rien. Tiens, c'est de la boue, ça pue. Ça va? Venez immédiatement m'aider à relever le bébé. Je crois que Johansson commence à soupçonner quelque chose.
Chingy, mais qu'allons-nous faire? Ce riz est destiné à aider l'armée rouge. Nous devons les soutenir par tous les moyens. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ne faites pas de bruit. Fouillez tout! Mais qu'est-ce que... Ah! Alors, tu voulais t'échapper? Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez? Attrapez-le! Oui. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y! Arrêtez! Tiens! Frappez-le! Prends ça! Quand on essaye d'aider l'armée rouge. Essayez donc si vous en avez le courage. Ça vous plaît de voler du riz, hein? Alors, je vais vous donner un petit coup de main. Tout ce que les gens veulent dans la vie, c'est bien manger, boire du bon vin et mourir dans la paix et le bonheur. Elle n'est pas difficile à comprendre, cette règle de vie. Je n'arrive pas à croire que tu ne craignes pas la mort. Laissez-le! Qui êtes-vous pour avoir le droit de torturer ces hommes? Bien! Lorsque vous m'aurez dit où vous cachez le riz, je le relâcherai! Relâchez-le d'abord! Tu es la mère de mon fils, ne dis rien! Oh, vous reconnaissez enfin les faits! Saisissez-vous d'elle! Reste là! L'armée rouge n'est pas encore là! Vous avez encore envie de vous révolter? Laissez-moi vous dire quelque chose! Tant que je serai à Yushi, ce village s'appellera Yuan-san! Voilà, cette petite vermine. Tous les tiens sont en état d'arrestation. Lâchez-moi. Un enfant. Il s'en prend à l'enfant maintenant. Tu as osé me mordre. Tu n'es qu'un mordre. Alors regarde ton père. Non. Simple table en bois n'arrêtera pas les balles. Alors tu les arrêteras pour moi. Mais vous plaisantez. Par pitié, maître, demandez-leur de nous protéger. Bande de sales racailles, retenez-les. On va t'avoir. Quelqu'un nous a sauvés. C'est l'armée rouge qui nous a sauvés. Rattrapez-le. Livrez-le-moi. Ne laissez pas s'échapper. Courez, voyons. On va l'avoir. Attrapez-le. Suivez-le! Par ici! Rendez-vous immédiatement! Ce riz appartient aux gens de ce village. Venez tous, nous allons partager tout ça. Ce riz est une vraie bénédiction. Regardez ça, c'est fantastique. Nous sommes à l'abri de la faim maintenant. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir nous chercher. Nous essaierons de faire le maximum. Capitaine, le sanglier du village n'a pas encore fiancé. Quand les enfants sont malades, on n'a pas de docteur ici. D'accord. Zheng Shui, il faut créer un dispensaire dans ce village. Oui, capitaine. J'aimerais que l'armée rouge nous accorde une faveur. Oui, madame, je vous écoute. Je voudrais que nos enfants aillent à l'école. Je vous présente Monsieur Song. Il est ici pour s'occuper de l'éducation des enfants.
te la prête et je vais te montrer comment elle marche. Prends-la. J'ai pas besoin que tu m'apprennes, je sais. Mon père me l'a rapportée de la ville. Il l'a achetée à la ville? C'est une toupie spéciale alors? Il faut que j'essaie ça. Laisse-moi te montrer comment ça marche. J'ai raté le premier coup, mais là, cette fois, ça va marcher. Recule-toi, je voudrais pas te faire de mal. Hop! Où elle est passée? Elle est où? Dongzi, rentre à la maison, c'est l'heure de dîner. Oh, c'est pas vrai! Ne t'inquiète pas! Je vais revenir et je vais la retrouver! Tu t'appelles Dongzi, toi? Moi, c'est Chao Yan! Sandales en paille aujourd'hui. Toi aussi, tu portes des vêtements neufs. Et ce matin, on s'est lavé avant d'aller à l'école. Je suis sûre que c'est très drôle d'apprendre des choses. Vous savez à quoi ça ressemble, le maître d'école? C'est quelqu'un de civilisé, il doit être très vieux. Le dernier arrivé est parti. Hé, laisse-moi passer. Dépêchons-nous. Vieux monsieur, c'est sûrement le maître d'école. Bonjour, chers camarades de classe. Je suis votre professeur. Je m'appelle Chao Yan Song. C'est toi la maîtresse? Mais quel âge tu as? Voyons. J'aurai 9 ans cette année, dans 5 jours. Grand-père doit faire cours dans la classe des grands. Moi, je m'occuperai des plus jeunes. Et nous allons distribuer les livres. Donc, Zi, tu veux bien m'aider? Il y a un livre par personne, il faut y faire bien attention. Commençons. Dis donc, c'est vrai qu'elle sait écrire. Voici le nom du village où vous vivez. Retenez d'abord ce mot, ensuite je vous apprendrai à écrire votre nom. Quand vous saurez écrire votre nom, je vous apprendrai à écrire le nom de vos parents. Oh non! Dongzi, si on allait chasser des longicornes? Dongzi, viens au tableau écrire ton nom. Oh! Ça, c'est un sacré bon longicorne! Ça ne veut pas dire Dongzi, ça. Tu as écrit autre chose. Et je vais t'attraper, tu vas voir. Taisez-vous, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous ne devez jamais oublier que c'est une chance extraordinaire que de pouvoir aller à l'école. En classe, vous devez écouter. Ce n'est pas une cour de récréation. Oui, entendu, monsieur. Parfait, allez-y, allez jouer. Chao Yan, va jouer avec eux si tu veux. Hein? Attendez-moi. Missan? On n'est plus dans la classe, appelez-moi Chao Yan. Chao Yan? J'aimerais bien jouer avec vous. Mais on ne dira jamais à un étranger où est notre cachette secrète. Il veut parler de là où on joue. Une cachette? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne sais pas si je suis d'accord. Oui. Hé, mademoiselle, je veux dire, Chao Yan, tu es capable de garder un secret? Oui, bien sûr. On a décidé que si tu arrives à nous rattraper, on jouerait avec toi. Donc, Zi, tu viens ou pas? Hé, partez pas comme ça! Attendez-moi! Ouais. On y va! Je vais vous rattraper, vous allez voir. Dépêchez-vous. Ha ha ha!
demi-tour. Dommage. Pour rentrer, t'as qu'à aller tout droit dans cette direction. Mademoiselle Song. Elle est rentrée. Ça, c'est ce que vous croyez. Oh, t'as réussi à nous rattraper. C'est donc Zi qui t'a amené jusqu'ici, hein? Hé, hey, fais gaffe à ce que tu dis, toi. Vous aviez dit que si j'arrivais à vous rattraper, je pourrais jouer avec vous. Hé, si t'arrives à grimper en haut de cet arbre, on te laissera jouer avec nous. Vous vous moquez de moi ou quoi? Elle est en train de grimper. Tiens bon, Chao Yan. Vas-y, Chao Yan. Oui, vas-y. Allez, lève-toi. Elle a grimpé, elle a osé. Allez, donne-moi la main, je vais t'aider. Elle a, ouais, elle a réussi. Elle a réussi. Elle est géniale. Ouais, bravo. Waouh, c'est magnifique. C'est ici qu'on a grandi. Je te montrerai tout ça. Où il est? Il est là. Hey, tu l'as attrapé. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey, faites attention, ma sœur vient de faire caca. Ça descend dans votre direction. Allez vite, allez vite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très joli. C'est du savon. Ça sert à nettoyer. Ça fait des bulles. Regardez ça. Mon père avait une usine qui fabriquait du savon. Il faut le sauver. Hé, hey, Dongzi, sois prudent, fais attention. Dongzi, c'est dangereux. Reviens. Papa, regarde comme il est mignon. Je vois, donc, Zi. Tu aimerais bien le garder, c'est ça? Mais maman ne sera certainement pas d'accord. On verra bien en arrivant à la maison. C'est toi qui veux un chien ou c'est donc Zi? Tu as déjà oublié les petits poussins qu'il avait l'année dernière. Il ne s'en est pas occupé et ils se sont tous fait dévorer. C'était un accident. Cela ne se reproduira pas. Tu n'es pas donc Zi. Comment peux-tu savoir ce qu'il fera ou pas? Petite maman, je l'ai cueilli pour toi. Vous arrivez toujours à m'avoir, tous les deux. C'est d'accord. Merci, maman. Tu ne le trouves pas mignon? Papa, comment allons-nous l'appeler? Il est assez costaud. On dirait un grand gaillard. On pourrait l'appeler Musclor. D'accord. Moi, je suis Shuzu. Je me bats contre les méchants. Qui c'est qui va faire Yuan-san, alors? Le plus gros d'entre nous sera Yuan-san. Oh, ça veut dire que c'est moi qui vais faire Yuan-san. Pas question! Bien sûr que c'est toi. C'est moi qui tire le mieux. Alors, Shuzu, c'est moi. Comment ça, c'est toi qui tire le mieux? Je te propose un défi. Celui qui perd sera Yuan-san. C'est Chao Yan qui arbitre. Vous avez le droit à deux essais. Le premier qui touche la jarre a gagné. C'est parti. Premier essai, c'est Yadzi qui commence. On dirait Yuan-san quand il a la colique, tu sais pas tirer.
n'est pas brisé. Deuxième essai, c'est Dongzi qui commence. Dongzi va jouer Yuan-san. Il faut lui dessiner une belle barre. Ouais, il est joli. Il est mignon, Dongzi. Regardez comme ça lui va bien. Regardez comme il est beau. Ouais, ouais. Dongzi. Grâce au principe de fonctionnement des leviers, on peut soulever de gros objets avec très peu de force. Ils sont extrêmement utiles. Monsieur, il faudrait que j'aille aux toilettes. Les oiseaux de tonnerre, ça n'existe pas. Enfin, sois raisonnable. Non, tu te trompes, j'en ai vu un. Mais personne ne te croira. Je suis le seul à te voir, oiseau de tonnerre. Personne ne voudra jamais me croire. Moi, je te crois. Hein? Moi aussi, je l'ai vu. C'est un oiseau des tonnerres. Tu l'as vu? Peut-être que tout le monde va enfin me croire. L'oiseau de tonnerre, c'est un avion. Il est en acier et on peut monter dedans et voler dans le ciel. Les gens peuvent voler dans le ciel? Comment tu sais ça? Mon papa et ma maman m'ont emmené dans un avion une fois. Oh! Mais comment il peut voler dans le ciel s'il est en acier? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça vole. Tu es professeur, tu devrais savoir. La 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 la! La 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 la! Maman! Pourquoi est-ce que tu n'étais pas en classe aujourd'hui? Maman, j'ai déjà appris tout ce qu'il y avait à apprendre à l'école. C'est ce que tu crois. Dis-moi ce que tu as appris, par exemple. J'ai appris à écrire mon nom, et ton nom, et celui de papa. Parfait, alors montre-moi. Ça, c'est ton nom, maman. J'ai écrit Liwa. C'est vrai? C'est vraiment mon nom que tu as écrit là?
Même si tu as déjà appris ça, tu dois rester à l'école jusqu'à ce que la classe soit terminée. Je crois que la punition a assez duré. Tu lui cèdes toujours. Allez. Tout. Est-ce que vous avez dîné? Oui, merci. Vous avez des nouvelles? Oui, la décision est prise. Les troupes partiront demain. Elles se regrouperont près de la montagne et se dirigeront vers l'ouest. Ah. Le commandant en chef m'a demandé de rester en arrière avec quelques hommes pour assurer le suivi des opérations. Je dois aller prévenir les autres. À plus tard. D'accord, je viens avec vous. Tu es grand maintenant. Nous te confions la maison, d'accord? Brave petit. Donc, Zé, ne mange pas si vite. Papa, tu savais que les gens pouvaient voler dans le ciel? Finis ton bol. Papa, allonge-toi, on va faire l'avion. Papa, c'est comme ça qu'ils volent les avions. Et il y a des gens dedans. Tu es sûr? Qu'est-ce que tu ressembles à ta mère, mon petit bonhomme? Donc, Zé, lorsque papa ne sera plus à la maison, tu seras le seul homme ici. Tu devras veiller sur maman. Papa, où est-ce que tu vas? Papa va rejoindre l'armée rouge. Pour l'avenir de ce pays. Pour ton avenir. Papa va aller se battre contre Yuan San. Mais Yuan San a été arrêté, non? Il y a beaucoup de Yuan San dans ce pays. Sans toi, papa, je ne serai pas rassurée. N'aie pas peur, Dongzi. Regarde ce que j'ai pour toi. Elle est magnifique! Dongzi, cette étoile m'a toujours aidée lorsque j'ai dû me battre. Elle est à toi maintenant. Prends-en grand soin. Tu ne dois pas avoir peur, même quand papa ne sera plus à la maison. Emporte-les. Je sais que tu dois partir très loin cette fois. Prends ces sandales et fais-y bien attention. De cette façon, je serai toujours à tes côtés. Merci, Liwa. Je penserai à vous. Fais bien attention à toi dans ce voyage. Et ne t'en fais pas pour nous. Dongzi grandit. Et il n'en fait qu'à sa tête. Ne t'en fais pas pour ça. Dongzi sait écrire son nom. Et il sait écrire nos noms aussi. Dongzi est un sacré petit bonhomme. Dormons maintenant. Tongzi, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je reviendrai. Sois prudent. On se reverra, mes amis. Au revoir. À bientôt. Je reviendrai Fais vite. Fais attention à toi, papa. Maman, quand est-ce que nous le reverrons, papa? Lorsque les azalées refleuriront dans la montagne, nous serons à nouveau tous les trois. Attention! Que quelqu'un aille jeter un œil! Oh.
C'est un guet-apens. Lâchez-les ou vous mourrez. Hors de question. Je n'ai pas peur de mourir avec lui. Aujourd'hui, nous fêtons la création de l'armée des enfants de Luxi. Vous êtes l'avenir de ce pays et de ce village. Voici votre première mission. Ouais ! Oui, bravo ! Nous avons presque fini de réparer le pont, mais il manque un tronçon au milieu. Je veux que vous l'installiez de vos propres mains. Oui, capitaine ! La mission repose sur votre capacité à coopérer. Vous allez former deux équipes. Vous devez rapporter ici les deux troncs d'arbres que nous vous avons préparés en haut de la colline. Les premiers arrivés auront gagné et ils pourront porter le brassard que Chao Yan vous montre. Ils sont là! Je les ai trouvés! Laisse-moi, ce sera plus facile avec un levier. Dandy, si on faisait comme Yazi, on se laisserait glisser. C'est bon, maintenant, montez. Ça va? Je vais bien. Continuez. Oh, Dashan! Madame Boone, courez! Allez vous cacher! Allez, par ici! Entendu! On se retrouve au four à briques! Cours! Ah.
Dépêchez-vous! On se retire! Sont-ils passés? Où est-ce qu'ils se cachent? Capitaine, reposez-vous. Comment vont nos hommes? Excepté Dashan, tous les autres sont là, capitaine. Capitaine, tous nos hommes sont blessés. Il va falloir opérer, mais nous n'avons pas assez de médicaments. Je peux retourner au village pour aller en chercher. Pas question. Zheng Shui, vous devez rester auprès des blessés. J'y vais. Toi, tu ne bouges pas. Madame Poon. Ça ira. Ne vous en faites pas. Lydie, accompagne-la. Oui, capitaine. Vite, allons-y. Emmenez d'abord ces médicaments. Je dois retourner dans la maison pour prendre quelque chose. Mais c'est trop dangereux, vous êtes sûr que c'est important? Où est-il? Oh, il est là. Ça, c'est la niche de la famille Chingipun. Brûlons-la! Allez-y! Alors, on a voulu me défier. Je vais réduire en cendres votre jolie niche. Ça vous apprendra! Je vous avais prévenu que je finirais par revenir. Lydie, Madame Poon n'est pas encore revenue. Tu devrais aller voir Dongzi. Bien, capitaine. Dongzi, ne t'inquiète pas. Mes chers villageois, je parie que vous ne vous attendiez pas à ce que Yuan San revienne un jour. Ce village m'appartient encore, et tous ceux qui ont essayé de me voler vont le payer au centuple. Ah, j'ai failli oublier. Je viens de mettre le feu à la cabane de la famille Chingipun.
Et si l'un d'entre vous s'aventure à les accueillir sous son toit, je vous laisse imaginer ce qui lui arrivera. Si l'on en croit ce que dit Monsieur Song, ils doivent avoir une ligne télégraphique. Ça ne laisse rien présager de bon pour l'armée rouge. Nous devons découvrir ce que Yuan San est en train de tramer. Je suis d'accord. Faites-moi confiance. Je suis sûre que nous y arriverons. Donc, Zi, ta mère s'inquiète pour ta sécurité. Elle a demandé à grand-père de te mettre à l'abri. Abandonner. Mais donc, si... Maître, dites donc, c'est la modernité, ce télégraphe. Avec cet appareil, je peux contacter des acheteurs et faire des affaires. Je n'ai plus à m'en faire. Dans ce cas, je n'ai plus à m'inquiéter non plus. Le chargement va bientôt arriver. Une fois qu'il sera là, l'armée rouge ne sera plus un problème. Ce chargement, c'est certainement des armes à feu. S'ils font du trafic d'armes, ça ne laisse rien présager de bon pour nos compagnons qui se trouvent sur le front. Que pouvons-nous faire, alors? Il faut les empêcher de communiquer avec l'extérieur. Vise la cible et concentre-toi. Le regard fixe la cible. La balle part en ligne droite. Respire profondément et ne bouge pas. Tire. Ouais, j'ai réussi. Donc Zi, tu es un bon petit gars. Est-ce que tu saurais me dire pour quelle raison l'armée rouge a réussi à gagner de nombreuses batailles? Parce que l'armée rouge sait mieux lutter. Ce n'est pas la seule raison. Le plus important, c'est que nous avons su développer un esprit d'équipe. Nous avons chacun nos missions, mais nous avons tous le même but et nous avançons tous dans cette direction. Donc Zi, tu te souviens quand tu as gagné la compétition le jour de la création de l'armée des enfants? Tu as gagné, mais est-ce que tes partenaires étaient heureux? Dis-moi, as-tu pensé à ce qu'ils ont dû ressentir? Donc Zi, souviens-toi, la force d'un seul homme ne suffit pas. C'est le travail d'équipe qui fait tout. Ils vont voir. Est-ce que vous y croyez? Le grand Yuan San est de retour. Je suis riche. Et quand les armes seront là, nous pourrons réduire l'armée rouge à néant. Le télégraphe est là. Gonzé, tu n'es qu'un chien. Toi et toute ta famille, vous êtes maudits. Tu mords comme une bête. Il a les clés. Qu'ils essaient de venir m'ôter le pain de la bouche, je leur ferai recracher. Ah.
je vais faire? Oh, la toupie de Chaoyan! Il faut que je tourne le télégraphe. Dongzi, nous t'avons cherché partout. Mais où donc étais-tu passé? Oh, le télégraphe de Yuan-san. Ça alors? Dongzi, mais où es-tu allé dénicher ça? Maman, maman, est-ce que j'ai mal agi? Mon petit Dongzi a grandi et il est devenu très courageux. Mais il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tant que tu ne seras pas aussi grand que ton papa, il faut attendre. Tu as compris? Maman, ce courage, il me vient de papa. Je me demande où il est en ce moment. Ce morveux. Bande de vermine, chien galeux. Nous devons récupérer le télégraphe et au plus vite. Numéro 2, prépare les chevaux. Comment les retrouver? Nous ne savons pas où ils se cachent. Ces morceaux de terre viennent du four à briques. Qu'est-ce qu'il y a? C'est étrange. Réveille tout le monde, et vite! Sortons par la cheminée. Dépêchons-nous. Pas d'ici.
Oh, une grenade! Il n'y a pas de problème. Ils ont oublié de la dégoupiller. Hein? Oh! C'est encore elle! Ne la laissez pas s'échapper! Il faut sûrement tirer sur le fils. Sécurité ici. Dongzi, tu es resté inconscient pendant 3 jours. Chaoyan, où est maman? Dongzi, ta maman s'en est allée. Il faudra être fort. Dongzi! Chaoyan, prends soin de lui. Dongzi, ne sois pas triste, il faut être fort. Allez. Je ne reverrai plus jamais ma mère, tu comprends? Non, tu ne comprends pas. Elle est morte. Elle est morte.
Ma toupie. Mes parents m'ont envoyé cette toupie pour mon anniversaire, le jour de mes 5 ans. Ils sont gentils, tes parents. Mes parents sont morts tous les deux, tu sais, Dongzi. Oh ! Sans toi, papa, je ne serais pas rassurée. N'aie pas peur, Dongzi. Regarde ce que j'ai pour toi. Elle est magnifique ! Dongzi, cette étoile m'a toujours aidée lorsque j'ai dû me battre. Elle est à toi maintenant. Prends-en grand soin. Tu ne dois pas avoir peur, même quand papa ne sera plus à la maison. Shiutsu et ses hommes doivent se cacher au fond d'une grotte. La montagne est grande, ce ne sera pas facile de les retrouver. Yuan-san veut laisser mourir les gardes de l'armée rouge. Oh, ils sont blessés. Et s'ils n'ont pas de sel, ils risquent d'être en mauvaise posture. Je suis un garde de Yuan-san. Je surveille les alentours et je vous pose des questions. Que faites-vous à traîner dehors? On va cueillir des herbes qui soignent. Pour soigner quoi? C'est notre cochon qui est malade. Qu'est-ce qu'il a, votre cochon? Notre cochon, il a une sacrée diarrhée. Et qu'est-ce que vous allez ramasser? On va ramasser... T'as encore oublié, des feuilles de goyave. Des feuilles de goyave. J'y arriverai si on me pose la question. On t'aidera si besoin est, t'en fais pas. Halt! Restez où vous êtes! Ça pue! Pourquoi voulez-vous aller dans la montagne? Nous allons ramasser des herbes qui soignent. Pourquoi faire? Pour soigner le... C'est pas à toi que je pose la question. Toi, réponds! Je dois répondre. Oui. C'est pour soigner le cochon. C'est pour ça que vous puez. Qu'est-ce qu'il a, votre cochon? Notre cochon, il a une sacrée diarrhée. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Et qu'est-ce que vous allez ramasser? On va ramasser des feuilles de goyave. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est que cette mixture? Je fais pipi dedans. Papa m'a dit de faire tremper les feuilles pour qu'elles ne fleurissent pas. La fille de môme, c'est très nourrissant. Sale gamin, comment as-tu osé laisser passer? Allez, arrête, ce sont des gamins. Et vous autres, dépêchez-vous de dégarpir. Il a eu une sacrée bonne idée, Dongzi, de dissoudre du sel dans l'eau et d'y faire tremper nos vêtements. Et comment ça se fait que j'étais pas au courant? T'étais tellement mort de trouille pour retenir ta petite phrase. Si on te l'avait dit, imagine que t'es tout balancé. Regardez, c'est le chef de la bande. Oh, il bloque le passage. Faufile-toi pendant qu'on détourne leur attention. Faites bien attention, on y va. Qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Je vais cueillir des herbes qui soignent dans la colline. Des herbes qui soignent? Comment tu t'appelles, gamin? Et où t'habites? Je m'appelle Guo et j'habite au pied de la colline. Ma famille élève des cochons. Ils élèvent des cochons? J'ai entendu quelque chose par là. Suivez-moi, on va aller jeter un coup d'œil. Il faut inspecter la zone. Ouais, on arrive. Monsieur, est-ce que je peux continuer mon chemin? Ouais, vas-y, allez.
Du calme, muscleur, tout va bien. On s'en va. Ce sale gosse nous a encore joué un tour. Il ne paie rien pour attendre. Trouvez-moi ce gamin! La balle part en ligne droite. Respire, ne bouge pas. Est-ce que ça va, Zhang Shui? Les tirs viennent de cette direction. Regardez autour de vous. Entendu. Oh non, Yuan Sun et ses hommes nous ont retrouvés. Tiens, c'est plein de sel. Ça t'aidera à cicatriser. Je vais faire diversion. Dongzi, où est-ce que tu vas? Par ici, continuons. Hé, hey, sale gamin, reviens tout de suite. Sale rat, où crois-tu aller? Tu es enfin à ma merci. Danzi est très futé d'avoir pensé à dissoudre le sel dans l'eau. Hé, hey, vous tous là, cachés dans les montagnes, vous m'entendez? Écoutez-moi, vous m'avez volé mon télégraphe. Je vous donne jusqu'à ce soir pour le ramener devant ma porte. J'ai mis la main sur le petit Danzi. Est-ce que vous voulez qu'il vive? Capitaine, n'y allons pas, c'est un piège. La mère de Dongzi s'est déjà sacrifiée pour nous. Nous devons sauver Dongzi. Mais si Yuan San récupère son télégraphe, l'armée rouge courra un grave danger. Peu importe vos talents de tireur ici, si la corde casse, le gamin mourra sur le champ. Et si quelqu'un essaye de le sauver, nous couperons la corde! Reculez! Hé! Hé! Yatsu! Hé! Hé, regarde! Hé! Hey. Dongzi! Hé! Hey. Oh. Yatsu, fais attention à Dongzi! Il me fait confiance, Dongzi! Ha!
Enfin, vous êtes là. Relâche l'enfant. Allez voir si tout y est. J'y vais. Maître, il y a un problème. On dirait qu'il manque l'interrupteur pour le mettre en marche. Relâchez d'abord l'enfant, et ensuite je vous la donnerai. Le relâcher ? Tu n'es pas en position de pouvoir négocier. Arrête ton cirque, ça suffit maintenant. Relâche l'enfant, et va récupérer tes affaires. Maître, faites attention! Maître You! Maître You! L'entrepôt est en train de brûler là! Vous vouliez essayer de détruire ma réserve d'armes à feu? Tuez le gosse! Et liquidez ce soldat pour moi! Pour te protéger. Vas-y, saute. Maman est là, Dongzi. Allez, saute. N'aie pas peur. Vas-y, saute. Maman.
mes armes! Tu es coincé maintenant, hein? Je vais te faire regretter d'être né. Johansson, tu as péri par la récolte que tu nous as volée. Wow. Non, ça ira. Dongzi, les collines ont refleuri. Dongzi, regarde toutes ces fleurs sur la colline. Maman, protège-nous et fais que papa revienne à la maison. Dongzi, je suis de retour. Papa! I'm